Bienvenue à vous à cette troisième conférence. Nous sommes très heureux que vous soyez 35 à nous suivre ce midi. Voilà, donc une troisième conférence. Il y a pas mal de gens qui sont inscrits avec des professions assez variées. Il y a des kinés parmi nous, il y a des infirmières, des étudiants, des chargés de mission. Il y a des médecins aussi, des gens qui travaillent dans la formation, qui font l'accueil, qui travaillent dans des plannings. Donc, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes donc dans cette troisième conférence que nous proposons dans ce cycle. Nous avons décidé de proposer ce cycle parce que pour nous, les inégalités sociales de santé
Et les inégalités sociales ne sont pas des accidents en marge des systèmes dans lesquels nous évoluons. Elles sont des manifestations des rapports sociaux qui ont une histoire et qui se perpétuent à travers l'éducation, les médias et qu'on perpétue aussi à travers nos pratiques. Convaincu de ça, on a décidé de proposer une série de moments de sensibilisation en invitant des chercheurs et des chercheuses autour de ces questions comme une première étape d'un processus dans une perspective d'imaginer des suites plus concrètes ensemble. Mais en tout cas, ça nous paraissait important de pouvoir proposer des moments de sensibilisation à des constats plus théoriques. Alors, la troisième conférence. La première conférence visait à situer le concept de genre, et c'est ce qu'on a fait avec Madame Valérie Piette. La deuxième conférence était proposée avec, en collaboration avec Aurélie Leroy et proposait d'analyser la pandémie, de regarder à travers la pandémie les rapports sociaux et la manière dont on a pu avoir un miroir un peu grossissant quelque part de ce qui se jouait là. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose d'aborder, c'est avec Madame Ilana Loï de nous questionner autour de ce qui relève du naturel. Et donc, elle va travailler avec nous sur l'invention du naturel, sexe, genre et biomédecine. Alors, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur Madame Loï avant de lui céder la parole. D'abord, vous dire que moi, je l'ai rencontrée à travers des lectures, hein, principalement deux articles. Un article autour de la médicalisation de la ménopause, autour d'un mouvement pour la santé des femmes et les controverses sur les thérapies hormonales. Et puis, un autre article qui m'avait aussi pas mal marqué, c'était celui où elle posait la question des rapports entre le féminisme et la recherche biomédicale. Donc, à l'époque où j'ai lu ces articles, je ne m'imaginais pas que j'allais lui parler un jour, ni même que j'allais l'inviter pour une conférence. Et donc, je suis contente de la rencontrer et de pouvoir passer ce moment avec vous et elle aujourd'hui. Et ce qui m'avait particulièrement marqué dans ces articles, c'est que moi, j'y voyais en tout cas une perspective de transformation et une perspective aussi de résistance face à ce qui peut paraître parfois inébranlable. Je voyais dans sa recherche historique et dans la manière dont elle agençait les faits quelque chose qui était aussi motivant dans ce sens-là et qu'elle va nous partager maintenant. Et je vais encore juste ajouter que Madame Loï est historienne de la médecine et des sciences à l'École des hautes études en sciences sociales et qu'elle est aussi directrice de recherche à l'INSERM. Et voilà, je vais, avant de lui céder la parole, faire un tout petit point technique puisque on est en Zoom et donc je vais rappeler quelques petites modalités de comment ça se passe pour permettre un maximum d'interactivité. Et donc, dire que moi j'aime bien travailler en vrai, voir les gens en vrai, et vous signaler peut-être que organiser une réunion telle que celle-ci, c'est un peu comme faire un plateau de télévision. Il y a un envers du décor et j'ai des collègues que vous ne voyez peut-être pas autour de moi, mais il y a ma collègue Caroline qui va particulièrement soutenir les échanges dans le chat ou dans la discussion. J'ai des collègues qui appuient sur les boutons techniques qui mettent en route toute une série de choses. Et donc, il y a notamment mon collègue Nicolas, à qui je fais des signes. Peut-être que vous allez me voir faire des choses bizarres. Et donc, vous dire que ça nous tient à cœur que ce moment soit interactif. Et que pour ce faire, vous avez en bas de votre écran un onglet discussion ou chat selon votre version française ou anglaise de Zoom et qu'on vous invite à l'utiliser pour partager des ressources que vous auriez, pour partager des commentaires. N'hésitez pas à le faire vivre. Alors, dans cet outil, vous avez la possibilité de parler soit aux panélistes, soit aux autres participants à cette rencontre ou à l'ensemble des gens.
Donc c'est ma collègue Caroline Wattillon qui transmettra à l'oral des choses si nécessaire. N'hésitez pas. Alors, il y a un autre onglet qu'on vous invite à utiliser, c'est l'onglet questions-réponses. Donc ça, ce sera plutôt pour les questions que vous auriez envie de poser à l'intervenante. Il y a un temps dédié à ça à l'issue de l'intervention, mais vous pouvez, dès qu'une question vous traverse l'esprit, déjà l'y inscrire. C'est aussi plus facile pour nous d'avoir la question sous les yeux. Donc voilà, j'espère que vous voyez tous cet onglet. Et enfin, vous avez encore d'autres possibilités. Qui sont celles de lever la main. On va voir si le temps qui nous restera à l'issue de la présentation permettra qu'on vous donne la parole, mais dans la version Zoom qu'on utilise, a priori, vous ne pouvez pas avoir la parole sans qu'on vous la donne. Et donc, si, voilà. Et le dernier onglet, c'est celui de quitter la réunion. Et là, voilà, si vous nous quittez, vous n'aurez pas la suite. Et donc, on espère que vous allez rester jusqu'à 14 heures avec nous. Avant de céder la parole à Madame Loewy, peut-être qu'une première chose qu'on va vous demander, c'est de mettre dans la discussion pour voir si ça marche bien pour vous, de vous demander, pour rentrer dans le sujet, quel est pour vous le lieu ou l'institution qui joue un rôle central dans la définition de la différence des sexes? Et donc, vous pouvez indiquer vos idées dans la discussion. Et je cède tout de suite la parole à Madame Loewy. Merci. Merci. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, mais le problème que moi, attendez, je ne vois pas mon propre écran. Oh, c'est bon. Et bon, ça me fait plaisir d'être ici. Et bon, comme vous avez entendu de Dorothée dans la présentation, je suis historienne et de médecine, de sciences et de médecine. Et avant, je voulais juste faire une petite. Donc, je vais parler du point de vue de vous raconter comment est née cette notion de genre et qu'est-ce que ça veut dire. Avant de dire, je voulais juste faire une petite remarque, c'est au sujet de terminologie. Parce que j'ai écrit dans le petit résumé la terminologie transsexuelle, qui est la terminologie, pour le dire, les personnes qui ont changé de sexe, qui est la terminologie qui a été utilisée par les acteurs pendant très longtemps, je vais vous le montrer d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle plutôt de personnes trans et transgenres. Et c'est normal que la terminologie change. Ce que je voulais dire que. Parfois, elle change de manière très bizarre. Ça veut dire quelque chose qui était considéré comme insultant ou pas bien, après être réapproprié ou utilisé différemment. Par exemple, il y avait une période qu'aux États-Unis, on ne parlait pas de noir, on parlait de personnes de couleur. Noir était insultant. Maintenant, les personnes noires se revendiquent de noir. En France, on ne parlait pas de juifs, on parlait des Israélites. Maintenant, les gens, les juifs, disent qu'ils sont juifs. Et ça peut être aussi, le terme queer est un terme d'insulte pour les homosexuels et les gens à sexualité non traditionnelle. Maintenant, les queer, il y a des études queer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'utilisation ou non d'un terme n'est pas une chose absolue, mais c'est plutôt comment une communauté s'en approprie. Et parfois, ça donne des choses assez étranges. Par exemple, aujourd'hui, parler de quelqu'un qui c'est une arriérée mentale, c'est une insulte. Mais une arriérée mentale était considéré un terme qu'on a utilisé pour ne pas parler des imbéciles. Arriérée mentale, c'était un terme scientifique poli de parler de cette personne. Donc, ça que je voulais dire, donc effectivement, je pourrais parler de transsexuel, mais je ne voulais pas dire autre chose que les termes qui étaient utilisés par les personnes elles-mêmes à l'époque. Bon, mais maintenant je vais parler d'autre chose. Attendez. Par contre, je n'arrive pas comment je change. Ah zut. J'ai un problème. Alors, vous avez un. Dites-moi, on va essayer de vous aider. Ben, parce que je n'arrive pas à changer les diapos. Pour le, il faut partager d'abord. Mais comme moi, je ne le vois pas. Je ne vois rien en ce moment. Je vois que mon écran, il est complètement muet. Attendez, je vais essayer de le faire en bas. C'est vraiment difficile. Ensuite.
Ah, c'est bon? Alors, pour le moment, moi, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez une autre diapositive? Non, on ne voit pas du tout de diapositive. Donc, il faut aller sur l'onglet écran partagé, sélectionner votre. Moi, je ne le vois pas, c'est ça le problème. Est-ce que... Il est ouvert, votre document? Oui. Ouais. Je pensais qu'il était partagé déjà, déjà. Je fais partager l'écran. On a bien fait ça avant que ça Voilà, marche. on y est, c'est parfait. C'est bon. Et maintenant, vous voyez ma diapositive. Oui. Et vous la voyez en C'est complet. parfait, voilà, on l'a en plein écran, c'est super. On vous Parfait. écoute, merci. Maintenant, j'espère que ça va aller. Tout m'excuse. Ça Pas de marche souci. toujours. Alors, ici, je juste faisais la biologie légitime les contrats. Alors, l'avantage ici, quand vous voyez ça, je ne suis pas obligée de lire tout, parce que vous pouvez lire vous-même, chacun a son écran. Mais je faisais que Jean-Jacques Rousseau a déjà dit que la femme égale à l'homme, mais ce qui est différent, évidemment, c'est la reproduction. Alexis Carrel, qui était un grand biologiste français, si on peut le dire, et qui a eu le prix Nobel à 1913, et qui a écrit le livre L'homme, c'est inconnu, et qui a écrit que dit que la différence entre l'homme et la femme, évidemment, c'est dans la nature. Et ce n'est pas uniquement les organes génitaux, c'est parce que l'homme et la femme leur corps est imprégné par les hormones, donc par les substances différentes. Et donc le cerveau féminin est aussi différent du cerveau masculin. Et c'est l'ignorance de ce fait fondamental qui a conduit les promoteurs du féminisme à penser que les membres de deux sexes pouvaient avoir la même éducation, la même activité, le même pouvoir et les mêmes responsabilités. C'était écrit en 1935. Alors, maintenant, on va voir est-ce que c'est la différence entre. Je pense que vous auriez eu ça déjà sur une autre conférence, mais oh, pardon, excusez-moi, j'en suis sauté un. Et la différence, et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, que la différence entre sexe et genre, ce n'est pas par les féministes. C'est par les gens qui ont travaillé avec les enfants qui ont les différences de développement sexuel. C'est qu'à l'époque, on appelait les enfants intersexes et ça s'est passé dans les années 1950 et dans un endroit très précis qui est le département d'endocrinologie de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Les féministes ont après s'emparer de cette décision pour dénaturaliser leur discrimination. En France, je ne sais pas si en Belgique, mais en France, dans les années 1970 et 80, il y avait des féministes qui n'aimaient pas les mots genre parce qu'ils disaient qu'ils dénaturalisent l'idée que le sexe est aussi les rapports sexuels et ils ont préféré les rapports sociaux de sexe. Et bon, ceci dit, moi, j'étais une de ces personnes qu'en France bagarrait pour le mot introduction des mots genre, parce que je disais que le sexe biologique aussi est une construction sociale. La science, elle ne pousse pas sur les arbres. Je pense que Delphine, c'est Christine Delphi qui l'a bien, qu'elle a dit que comme on met en correspondance le genre et le sexe, est-ce qu'on compare le social et le naturel? Ou est-ce qu'on compare du social avec encore du social? Cette fois, la représentation qu'une société donnée se fait de ce qui est la biologie. Je pense que là, c'est quelque chose qui est très essentiel. La biologie, c'est une science produite par les humains. C'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce qui est biologique? Ce sont les scientifiques qui s'appellent biologistes qui le décident. Ce qui est quand même un peu compliqué. Par exemple, est-ce qu'il y a les gens qui connaissent le dessin? Qu'est-ce que vous voyez ici? Je pense que, bon, ici, il y a les gens qui ont lu l'acteur. Ils le savent. Il s'agit de représentation de la renaissance du sexe féminin. Parce qu'à l'époque, on avait l'idée que la femme, c'est exactement comme l'homme, c'est comme disait Rousseau, seulement inférieur. Donc, les femmes, les organes féminins sont exactement comme le masculin,
Mais à l'intérieur de l'organisme, alors les anatomistes comme Vesalius et autres ont vu, littéralement vu, comme ils ont regardé la dissection des corps, ils ont vu que c'est exactement comme le sexe masculin. Ça veut dire la biologie, aujourd'hui, personne ne le voit comme ça. Ça veut dire que la biologie, ce n'est pas juste quelque chose qu'on voit. Alors, il y a autre chose que je vais parler. C'est qu'on savait depuis bien longtemps qu'il y a certains individus qui ont les organes sexuels masculins et féminins. Alors, on a révélé ça dans la représentation classique de Hermaphrodite, de mythologie grecque, une personne qui avait les attributs masculins et féminins en même temps. Alors, parfois, on le montrait comme des jumeaux et parfois comme une seule personne qui a les attributs de deux sexes. Et ça, c'était quelque chose que les gens, on savait, ce sont les bizarreries de la nature, les anomalies, les curiosités. On mettait si l'enfant, ou disons, si le fœtus hermaphrodite était mort en utérus qui arrivait, on le mettait comme un spectacle dans le cabinet de curiosités. Mais puis il y avait des gens qui ont vécu comme ça, qui avaient l'organe sexuel masculin et féminin. Bon, on ne pouvait rien faire parce qu'il était comme ça. On ne pouvait rien faire jusqu'au moment qu'on avait quelque chose qu'on appelle les hormones sexuelles. Ça veut dire qu'au moment que les scientifiques ont appris à produire, ils ont appris que les traits sexuels secondaires sont produits par les hormones. Hormones masculines, ce qu'on appelait les hormones masculines, et ce qu'on a appelé les hormones féminines. Alors, comment il a fait ça? Par exemple, la recherche sur les hormones était faite, comment on a appelé, que les scientifiques ont isolé des substances, les endocrinologistes, ils travaillaient sur les sécrétions internes, ont isolé des substances à partir des ovaires ou à partir des testicules. Après, ils ont injecté ces substances à des animaux pour voir quel effet il donne. Alors, un test classique, par exemple, pour les substances dites masculines, était qu'on a castré un coq, donc il a perdu sa crête. On a injecté une hormone masculine, il a eu les attributs des coqs mâles de nouveau, donc la crête a repoussé. Donc, on savait qu'on est sur la bonne voie, la substance est la bonne. Donc, il a fait la même chose avec les souris, réinstaller les sources de cycles hormonales chez la souris, ça veut dire installer l'ovulation. Il y avait des tests biologiques qui ont permis aux scientifiques de savoir on a isolé une hormone, une substance chimique masculine ou féminine. Et ils se sont rendus compte que l'injection de ces substances permet à développer aux individus, aux personnes, les traits sexuels de sexe donné. Qu'à la puberté, l'enfant mâle a des régressions des hormones masculines qui fait qu'il a la musculature, le poids, la change de voix, et que les femmes commencent à avoir la menstruation, le sein. Donc, ce que ces substances peuvent changer les traits sexuels des personnes d'une manière qui était presque avant, c'était considéré presque miraculeuse. Oh, ces substances ont été isolées des gonades des animaux, produites dans les laboratoires. Il y avait des grandes usines qui ont produit ça. Et ce qu'on appelait sexe dans un flacon. Ça, c'est l'hormone féminine qui on a réussi, que c'est l'estrogène. On a réussi à le mettre, là, il induit l'ovulation. On a dit, on a mis le sexe sur un flacon. Si on a mis le sexe dans le flacon, le sexe peut servir, on peut changer, au moins extérieurement, très masculin en très féminin, ce qu'on sait aujourd'hui, évidemment, par les individus qui veulent changer leur apparence externe pour, disons, c'est être dans le corps qui est en accord avec le sexe ou le genre avec lequel ils se sont affiliés. Donc, on avait quelque chose, s'il y avait des enfants qui étaient nés à l'époque, ce qu'on appelait intersexe,
aujourd'hui on appelle différence de développement sexuel, on pouvait modifier, on pouvait moduler leur extérieur. C'était une chose extrêmement importante. Donc, comment ça s'est passé? Et dans les années, depuis le début du XXe siècle, particulièrement vers le milieu du siècle, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle le sexe biologique, comme je vous montrais avant cette image de Vesalius et autres, on sait que même on regarde, juste en regardant le sexe masculin ou le sexe féminin, ce qu'on voit, ça passe un peu par le filtre, par les lentilles de ce qu'on sait. Si on regarde qu'est-ce que c'est le sexe biologique, qu'est-ce que c'est une femme biologique, bah, elle a un utérus, elle a les ovaires, elle a les seins, elle a les organes sexuels extérieurs féminins, elle a la voix féminine, elle a la figure féminine, etc. Et comment on sait que c'est une femme? Et on sait que c'est une femme parce qu'elle a ses anatomies féminines, mais aussi des hormones féminines, et aussi on a des chromosomes féminins. Bon, très bien. Et tout ça, ça doit être d'accord. Si c'est une vraie femme, elle est aussi hétérosexuelle, donc on a aussi l'attraction sexuelle à sexe opposé. Mais on s'est rendu compte que toutes ces choses-là sont extrêmement dissociées. À l'époque, on pensait par exemple que les homosexuels sont efféminés. Donc, il doit avoir peut-être plus des hormones féminines. On s'est rendu compte, pas du tout. On s'est rendu compte qu'il y a les individus qui ont les organes sexuels extérieurs d'un sexe, mais un certain organe intérieur qui ne correspond pas exactement à ça. C'est par exemple l'hyperplasie adrénale. Elle peut avoir les organes sexuels extérieurs à peu près masculin, et cet individu qui est une femme aujourd'hui, considérée femme souvent, a une utérus et des ovaires. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais on peut les modifier. Pourquoi on peut les modifier? Parce qu'on a des hormones et on a aussi avancement de chirurgie plastique. Donc on peut changer la manière où les personnes ont l'air. Alors, donc, il y avait effectivement, c'est ça, je vais vous parler maintenant, il y avait quelqu'un dans le groupe de John Hopkins et qui a essayé de voir, et si on commence à jouer avec ça et moduler, ça donne quoi du point de vue psychologique? Qu'est-ce que c'est le psyché d'une personne qui a des organes sexuels qui ne sont pas très nets, comme on dit, des différences de développement sexuel? Et dans cette période, l'idéal était les mettre en accord le sexe et le genre, le comportement, la sexualité. S'il y a un enfant né avec les organes sexuels pas clairs, on a décidé qu'on va le transformer, cet enfant, en petite fille. On voudrait une petite fille qui joue à la poupée, qui aime les robes roses, qui est attirée par les garçons et qui aimera bien être une ménagère. On fait le questionnaire pour ces filles et on leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez devenir? Il y avait beaucoup de filles avec hyperplasie d'adrénale. On veut aller à l'université. Mauvaise réponse, parce qu'à l'époque, il fallait répondre, je veux être maman ou je veux être infirmière. Pas je veux être astronaute ou je veux aller à l'université. Mais bon, mais les effets collatéraux de ces recherches étaient quelque chose que je vais vous parler maintenant, c'est l'invention du genre. Bon, ça, ce sont nos zéros. Ça, c'est John Money. Pour certains, c'est quelqu'un de très bien, mais pour beaucoup de féministes, c'est quelqu'un de très mal. Il était compliqué. Et ça, c'est Lawson Wilkins, qui était le directeur de le grand laboratoire d'endocrinologie infantile à l'université de Johns Hopkins. Et c'est ça qu'ils ont. Et ça, il y a un troisième héros dans cette histoire qui s'appelle Murray Barr, qui était un anatomiste et qui a découvert qu'il y a une différence entre les cellules des hommes et les cellules des femmes. Toutes les cellules des femmes, des femelles d'ailleurs, dans tous les mammifères, ont un corpuscule qui s'appelle le corpuscule de Barr. Voilà, il est là. Et toutes les cellules mammifères de sexe masculin n'ont pas ce corpuscule. Très bien, mais pourquoi on avait besoin de ça? Ça suffit de regarder des chromosomes. Non, ça ne suffisait pas pour des raisons très simples. Là, c'était en 1951. Et à cette époque, on ne savait même pas combien de chromosomes les humains ont. Il y avait une difficulté technique de colorer les chromosomes humains. On pensait qu'ils sont 48 et maintenant on sait que c'est 46.
Tandis que certains animaux, on pouvait visualiser le chromosome X et Y, chez les humains, on ne savait pas le faire techniquement. Et c'est pour ça, avec le corpuscule de Murray, on pourrait dire, maintenant, on a une manière de savoir si un enfant qui est né avec différents développements sexuels, est-ce que c'est vraiment un enfant ou c'est vraiment une fille? Alors, attendez. Donc, l'histoire commence à être amusante parce qu'on a utilisé ça pour les deux symptômes, syndrome de Turner et syndrome de Klinefelter. Syndrome de Turner, ce sont les filles, je serais en, la majorité sont des filles. Ce sont des individus, se considèrent souvent comme des filles. Ce sont des individus qui ont un seul chromosome X. La formule chromosomale, c'est X0. L'individu Klinefelter, c'est les individus qui ont deux chromosomes X et un chromosome Y. En règle générale, presque tous se considèrent un homme. Et on a, donc on a dit bon, d'accord. Alors maintenant, avant, non, ça c'est le chromosome de Klinefelter, sont des hommes avec une silhouette un peu efféminée. Certains ont des seins, pas tous. Et ils ont du pénis. Ils se considèrent figure à peu près masculine. Ça dépend. Aujourd'hui, on les donne souvent des hormones masculines. Et on se considère jusqu'au travail de sur le corpuscule de Waall, tout le monde était convaincu, ça veut dire les scientifiques qui ont décrit ce phénomène, ont dit que ce sont les hommes qui souffrent d'une insuffisance de testostérone, un problème hormonal. Et c'était la même chose avec le syndrome de Turner. Ce sont des filles qui ont l'air d'organes sexuels extérieurs parfaitement féminins, mais qui, à la puberté, n'ont pas de règles, ne requièrent pas, on disait, ils sont infantiles, entre guillemets. Elles restent avec une figure un peu sans dessin, sans arrondi. Elles sont infertiles, les hommes Klinefelter aussi, d'ailleurs. Et on considère de nouveau que c'est un problème hormonal et qu'il faut le traiter par injection des hormones féminines. Très bien. Mais maintenant, on est en 1951 et dans le laboratoire de Wilson, on se pose la question, est-ce que ce sont vraiment les Turner, ce sont des filles et les Klinefelter sont des garçons? Voyons voir. Ce qu'on va faire, on va chercher le corpuscule de Barr. Donc, on cherchait le corpuscule de Barr et, grande surprise, toutes les filles Turner n'ont pas le corpuscule de Barr. Tous les garçons Klinefelter ont. Donc, conclusion, ce sont vraiment ce qu'on appelle les filles Turner, ne sont pas du tout des filles, ce sont des garçons pseudo-féminisés, et les garçons Klinefelter ne sont pas du tout des garçons, ce sont des filles qui sont masculinisées à cause des problèmes hormonaux. Donc, pour l'exemple, pour les symptômes de Turner, il dit, ce sont des mâles chromosomiques, correspond, aucun doute, à toutes les normes culturelles et psychologiques de féminité. Elles sont convaincues qu'elles sont des filles, leurs parents sont convaincus qu'elles sont des filles, leur entourage convaincu qu'elles sont des filles. Certaines sont mariées, même le Turner qui a décrit les symptômes a dit, elles sont très féminines, elles sont de bonnes cuisinières. Bon, mais il y a une hausse, ils sont très féminines, bonnes cuisinières, mais ce sont vraiment des hommes. Alors surtout, il ne faut pas leur dire ça. Parce que si on leur dira ça, ils vont être super, très perturbés. Mais la plus importante conclusion de cette étude est que la perception de soi d'une personne comme un homme ou comme une femme, le genre et l'orientation sexuelle sont des variables entièrement indépendantes des gènes et des chromosomes. Parce qu'ils pensaient à l'époque qu'ils ont des chromosomes masculins. Vous voyez, ici, on est en 55. Il y a les mots qui genre apparaît pour la première fois. Et le mot de genre apparaît pour la première fois pour dire quelque chose de très spécifique. Monet était psychologue, et dire la perception de soi d'un individu comme un homme ou comme une femme. Alors, les filles Turner étaient convaincues qu'elles sont des filles. Elles avaient un rôle, se voyaient en rôle social des filles. Donc, elles ont le genre féminin bien. Qu'ils ont, selon à l'époque on a pensé, le sexe masculin. Donc on voit ici très bien où on voit et que c'est ça.
Alors ça, bon, j'écris en anglais, mais bon, parce que je voulais pas traduire. Mais c'est Samboléon 1955, que XI, c'est une femme, et XY, c'est un homme, c'est une croyance par la vérité. La vérité est la vérité psychologique. Et c'est que la personne se croit et est en train de vivre. Ça ne durait pas longtemps, ça durait même très court, parce qu'en 56, on a trouvé la manière finalement de visualiser les chromosomes humains, très bien. Donc, on est en 59, je n'ai pas mis la date, mais à cause de ça, on a finalement pu, par exemple, dire que la trisomie 21, le syndrome de Down, est une anomalie chromosomale. Et alors ça c'est Marthe Gauthier qui l'a trouvé, Jérôme, le gène qui a pris le crédit. Bon, ça arrive souvent en science. Et c'est bon, c'est une histoire classique. Une femme a travaillé, quelqu'un qui était protégé des chefs a pris le crédit pour la découverte. Mais bon, passons. Mais ça, par exemple, pour le syndrome de Turner, il y avait une femme, Patricia Jacob, qui a fait la même chose pour les hommes. Ils ont trouvé que c'est XY, donc ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas XY. XY, comme Monet a pensé, ils ont le corpuscule de Barre, mais le corpuscule de... ils n'ont pas le corpuscule de Barre, mais le corpuscule de Barre, ce n'est pas parce qu'il y a des chromosomes X, mais parce qu'un chromosome X est expulsé, ce n'est pas important. Mais les Turner sont... n'ont pas les corpuscules de Barre, mais ils n'ont pas les chromosomes Y non plus. Donc, effectivement, et dans ce cas-là, est-ce que sont les hommes, est-ce que sont les femmes, est-ce que sont ce qu'ils veulent être? C'est plutôt la bonne réponse. Mais cette idée que c'est un cas extrême de pseudo-hermaphroditisme mâle est faux. Ce n'est pas des mâles biologiques qui ont le corps d'une femme. C'est une anomalie de développement, différence de développement hormonal dans ce cas-là. Alors, il y avait un cas qui était un cas emblématique, qui était c'était le cas de Monet, qui était jusqu'au récemment, d'ailleurs, jusqu'en 2006, la conférence des consensus de 2006, les traitements corrects des enfants intersexes, ils disaient qu'ils seront très malheureux si on ne les corrige pas, on leur attribue un seul sexe biologique, et on fait toutes les manipulations chirurgicales et hormonales pour que leur corps soit en concordance avec leur identité. Ça veut dire que leur sexe biologique, ou tout ce qu'on peut leur fabriquer en tant que sexe biologique, soit en concordance avec leur genre, ça veut dire leur identité profonde. Alors, il y avait les cas très, très fréquents. On disait, par exemple, une des choses que s'il avait un enfant avec différence de développement sexuel et qui a un tout petit pénis, on disait que ça ne peut pas être un homme, il se sera trop honteux, il ne pourra jamais pénétrer une femme, il ne pourra jamais fonctionner comme un homme bien. Donc, on va le transformer en une fille. Et il y avait un cas célèbre de jumeaux, un des jumeaux avait un accident de circoncision et il a perdu le pénis. Donc, on dit, un garçon, il était un garçon biologique parfaitement, sans rien de spécial, mais on a dit qu'il était apporté à Monet, il dit, un garçon sans pénis ne peut pas être un garçon, ça ne fait pas un homme sans pénis. C'est la phallocratie, disons, sexe strict, sans phallus ou sans pénis, on n'est pas un homme. Donc, on l'a transformé en une fille. Et ce qui s'est passé, et on l'a dit à la mère, éduque cet enfant comme une fille, donc elle aura une genre d'une fille, parce qu'elle aura une identité genre d'une fille. Donc, tout va aller bien, elle va être heureuse et on a fait la chirurgie plastique pour à peu près organes féminins. Féminin, on lui a donné les hormones pour qu'elle se développe comme une fille. Sauf que ça n'a pas marché du tout parce que, bon, voilà, ça c'est le cas, ça c'est les jumeaux. Ça c'est les jumeaux qui étaient éduqués en une fille. Et bon, mais à l'adolescence, les jumeaux en question se rebellaient contre le rôle d'une fille et il a décidé de revenir. Il se rebellait contre ses médecins, refusait de prendre les hormones féminines.
Et finalement, le médecin, vu qu'il est révolté, ils ont redonné l'hormone masculine pour le remasculiniser et fait les opérations pour annuler l'opération précédente. Et il se mariait avec une femme. Bon, c'était très compliqué. Et ça, c'était un livre qui a fait beaucoup de bruit. Il y avait aussi un film de la BBC et plein de choses. Il disait, c'est la nature qui s'est éveillée. On a essayé de lui faire, Monique, à l'époque, était très vilifiée, et on a essayé artificiellement de transformer un garçon d'une fille, mais c'est la biologie qui a pris là-dessus. Mais à mon avis, mais c'est un avis très personnel, de ce cas-là, on ne peut apprendre rien du tout, d'aucune direction. Il est extrêmement maltraité par tout le monde, y compris par ses médecins, ses parents, sa famille qui est traitée comme une espèce, comme une monstre bizarre et pas du tout comme une vraie petite fille. Pas de leur faute, mais parce que le traitement n'a pas très bien marché. Il y avait, en plus, c'était une famille super problématique, ça aussi, ça aide. L'histoire a très mal fini parce que tous les deux garçons se sont suicidés avant celui qui n'était pas opéré, après l'autre. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que le Canada, on ne peut pas apprendre rien, mais, à mon avis. Mais par contre, ce qu'on peut apprendre à certains moments avant qu'il a eu des problèmes, il a David Raymer, ce garçon qui était une fille qui est devenue garçon, a expliqué que bon, peut-être il n'est pas fertile, il a des problèmes, mais il se considère un vrai homme parce qu'il s'est marié avec une femme qui avait les enfants avec des autres hommes et il a adopté ses enfants et il a dit, pour être une femme, il faut bien traiter une femme, fournir le toit à sa famille. Être un bon père. Les choses comme celle-là comptent beaucoup plus que le bing-bang de sexe. Il ne pouvait pas avoir la relation sexuelle classique avec pénétration. Je m'imagine que John Money aurait considéré le père biologique de mes enfants comme de vrais hommes. Mais ils ne sont pas restés, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais c'est qu'ils ne sont pas restés pour, ils sont pas restés pour prendre soin de leurs enfants. C'est moi qui l'ai fait. C'est pour cela, pour moi, être un vrai homme. Donc ici, on voit bien que quelqu'un qui pourrait se voir comme pas un vrai homme biologique dans le sens qu'il n'avait pas un pénis fonctionnel, il se considérait un vrai homme parce qu'il avait un rôle genré d'un homme, de celui qui apporte du pain sur la table de la famille. OK. Alors maintenant, on va parler de ce qui se passe avec des individus qui sont ce qu'on appelle transsexuels. Aujourd'hui, évidemment, le trans. Alors, nous, le 137, on pensait que c'est une maladie psychiatrique. Comment un homme peut se sentir une femme ou une femme peut se sentir un homme? Ça doit être un problème psychiatrique. Mais il y avait un problème, c'est dans les années 50, dans le même endroit d'ailleurs, dans Johns Hopkins, le labo à côté, il y avait un psychologue, psychiatre, Harry Benjamin, qui s'occupait de ces individus transsexes et qui disaient non, c'est normal, par certains individus sont vraiment extrêmement malheureuses avec un type de corps. Et maintenant, on a des techniques, on a des chirurgies plastiques, on a des hormones, donc ce n'est pas uniquement les enfants avec les différences de développement sexuel. On peut aussi aider à ces individus qui se sont aliénés dans leur propre corps d'acquérir le corps qu'ils ont envie d'avoir. À l'époque, il pensait d'ailleurs qu'il y a peut-être un fond biologique à ça, mais bon, il a dit on va aider. Alors voilà, c'est le cas célèbre de Christina Jorgensen. Ce n'est pas le premier cas de changement de sexe, mais c'est le premier cas parce qu'elle est devenue militante. Elle est devenue, c'était un jeune garçon qui était un garçon, mais qui voulait, se sentait qu'il est vraiment une femme. Il a fait une opération de changement de sexe. D'ailleurs, à l'époque, il était d'origine danoise. Il faisait ça au Danemark parce que justement, il n'était pas le premier. À l'époque, au Danemark, on faisait ça. Aux États-Unis, c'était encore illégal parce qu'il s'est impliqué une castration. Et ça, c'est un livre. Est-ce que je suis normale ou est-ce que je suis un monstre? Elle a devenu elle a fait beaucoup d'apparitions. Aussi sur la scène, mais aussi elle est devenue vraiment une militante importante pour les droits des personnes qui veulent changer leur genre et leur sexe. Donc, bon, je vois, donc ça va. Et bon, on est dans les années 60 et 70, c'est que je pense que cette idée que
il y a l'individu normaux, en un sexe, un genre, une sexualité bien définie, ça, tout ça, ça commence à être extrêmement déstabilisé par le mouvement de libération des femmes, par le mouvement de libération des homosexuels, et finalement, par les droits, mouvement pour la libération des trans, que les individus n'ont pas besoin de s'enfermer dans une identité sexuelle ou une identité, disons, des psychologique ou biologique ou tout ce qu'il a, ils ont le droit de choisir et de changer leur identité ou de choisir aucune, disons, d'être dans les intermédiaires aussi, d'autres, des transgenres et aussi les. Alors ça, avec ça, il a commencé la lutte avec des personnes aux différences de développement sexuel. À l'époque, il se réclamait d'ailleurs fort de appellation intersexe. À l'époque, c'était aux États-Unis au moins, je pense aussi en Suisse, je regardais en France. À l'époque, il n'y avait pas de problème. Donc, il disait, il se réclamait de hermaphroditisme. Il disait qu'avoir les traits de deux sexes, ce n'est pas menstrué. Et ce qui est menstrué, c'est ce qu'il appelait la mutilation. Il dit que comme celui, comme le pauvre David Reimer, il était soumis à des opérations qui avaient des résultats souvent extrêmement mauvais, qui l'ont rendu avec des douleurs chroniques, dysfonctionnement sexuel chronique, et que ça n'a aucune impression. Il disait arrêtez les mutilations. Il disait mais arrêtez de nous sacrifier sur votre idéal de binarité de sexe. Pourquoi on ne peut pas vivre comme quelqu'un qui ne correspond aux idées d'être un peu entre les deux? Donc, effectivement, on revient aux idées de flexibilité de sexe biologique, de genre, d'identité genrée, etc. Alors, bon, c'est très bien, on est maintenant tous éclairés, tous savons bien, et on a tous soutient très fortement les idéaux de flexibilité, droits des individus homosexuels, gays, lesbiens, trans, etc. Sauf que malheureusement, pas pour tout le monde. Alors, en France, on se bagarre toujours, je ne sais pas la Belgique, mais en France, on a toujours des gens qui sont vraiment. Le terme théorie de genre est d'ailleurs un terme qui était proposé pour la première fois par Osservatore Romano, par le journal du Vatican. Quelque chose qui est horrible, que bon, je ne sais pas. On ne sait pas qui, mais des gens vraiment pas bien veulent maintenant changer les filles des garçons et les garçons des filles, poser la théorie de genre à l'école. À l'époque, c'est Bernadette Chirac, des garçons âmes, qui disait ça. Mais en France, on a toujours le manif pour tout. Et pour être, il ne faut pas que je calomnie mon pays, mais on a un ministre de l'Intérieur, Germain Darmanin, qui était lié avec ces gens-là, et qui a toujours des idées très progressistes d'ailleurs. Donc effectivement, ce n'est pas exactement ésotérique. En Brésil, c'est mieux. Alors moi, j'enseigne au Brésil aussi, évidemment, comme il n'y a pas maintenant, parce qu'on a le coronavirus, mais comme il n'y a pas de virus, j'enseigne au Brésil. Et bon, j'étais là-bas pour les campagnes de Bolsonaro il y a 2 ans et demi. Et je ne sais pas si vous avez Titeuf en Belgique. Oui, alors il y a Titeuf. Les enfants aiment beaucoup Titeuf, c'est très sympathique. Il était traduit en portugais. Alors ça, c'est Jair Bolsonaro, le président du Brésil, qui a dit que son concurrent, le candidat de gauche, qui s'appelle Fernando Haddad, était ministre d'éducation dans le gouvernement de Lula, dans le gouvernement précédent. Et à l'époque, il faisait quelque chose qui était absolument atroce. Il faisait dans les lycées une campagne contre la homophobie. Donc, Bolsonaro a dit qu'il a distribué les kits gays à l'école. Il a dit que ce kit gay pour apprendre des enfants à être homosexuels. Et ce kit gay était développé, distribué aux enfants de 6 ans. Et voilà la preuve. Ça, c'est le livre de Titeuf
semble-t-il, c'était distribué aux écoles. Et comme ça, il a appris aux garçons et aux filles la homosexualité. C'est parce que le pauvre Titeuf, quelque part dans ce livre, dit aussi que parfois une femme aime une femme et un homme aime un homme. Alors voilà, ça a l'air d'être une grosse blague, sauf que malheureusement, il était élu avec ça. C'est-à-dire, c'était envoyé sur WhatsApp à des millions et des millions de choses, tous ces genres de choses avec les témoignages. Ma belle-sœur qui est institut dans le primaire a raconté qu'on l'a appris aux garçons qu'il faut sucer des pénis des autres, etc., etc. Il est président du Brésil, toujours. Et ça, c'est sa ministre des droits des femmes et des droits humains qui s'appelle Dagmar Alvarez, et qui a fait la propagande qui dit contre la théorie des genres qui dit les garçons doivent porter du bleu et les petites filles doivent porter du rose. Je vous assure, ce n'est pas 19e siècle, c'est aujourd'hui. Donc, on a quand même, il y a d'autres pays comme la Pologne, la Hongrie. En Hongrie, par exemple, on a aboli l'étude de genre à l'université, on n'a plus le droit de l'enseigner comme discipline universitaire. Donc, on se trouve en Pologne, on a maintenant des régions qui sont libres des gays, libres des homosexuels. Ils ont une petite étiquette. J'étais en Pologne il y a un an et demi, j'enseignais dans une école d'été dans les régions, j'ai plus le droit d'une petite étiquette, région libre des homosexuels. Bon, tout ça, c'est très rigolo. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas exactement disparu. Je vais finir par ça, ce qui n'a pas encore disparu dans nos pays. Heureusement, en France, on a toujours le droit de faire les études de genre, ce que je fais. Bon, mais alors la différence, par exemple, ça explique la différence de salaire. Bon, alors je regardais sur l'INSEE aujourd'hui, hier, et l'écart de salaire plein est 17% entre hommes et femmes, entre les cadres, au moins, c'est 30%, presque 30%. Ça veut dire plus on monte, plus l'écart est plus important. Et entre la retraite, qui résume le salaire pendant la vie, c'est 41%. Donc voilà. Et maintenant, on peut montrer un petit film juste pour vous amuser. Oui, Toute petite. merci. On va lancer ça tout de suite. Merci, Madame Loï. Dans la cour de récréation, est-ce que vous avez les mêmes droits, les filles et les garçons? Qui pense que vous n'avez pas les mêmes droits? Dans la cour. Ah. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de droits pour les garçons et moins pour les filles, ou plus pour les filles et moins pour les garçons? Comme ça. Moins pour les filles. Hein? Moins pour les filles. Il y aurait, d'accord. Les filles, on a beaucoup moins d'espace, donc on a que le terrain de basket et la zone calme. Tous les garçons, en fait, ils prennent tout l'espace pour le ballon. Qui est d'accord avec cette phrase? Ok, d'accord, très bien. Chez les grands du CM2, comme chez les plus petits en CE1 juste à côté, le constat est sans appel. J'ai remarqué que les garçons prenaient beaucoup de place pour jouer au foot. Et comme nous, on a où il y a la petite pyramide, c'est le temps calme. Parce que là, c'est un petit endroit où il n'y a pas les garçons qui jouent au foot. Ou sinon, ça prend presque toute la place de la récréation. Vous trouvez que c'est vrai ou pas? Oui. Qui trouve que c'est vrai? Ok. Et si le foot dans la cour pose tant de problèmes, c'est qu'il n'est pas très mixte. Par exemple, les filles n'osent pas trop aller jouer au foot. Il y a des filles qui leur proposent de jouer, mais les garçons, ils disent non. Il y a des filles qui proposent de participer à la partie. Il y a des garçons qui disent non. On peut discuter de cette phrase. Hein. Par exemple, pour vous, qu'est-ce que c'est être à égalité entre les filles et les garçons? Ça veut dire qu'on a tous les mêmes droits, on a tous le droit de jouer au foot. Tout à fait. Tous le droit de jouer au même jeu, que ce soit filles ou garçons. Les garçons, ils ont le droit de jouer avec les filles. Oui. Et les filles, ils ont le droit de jouer Tout avec à les fait. Garçons. Exactement.
Merci. Merci pour votre présentation. C'est maintenant le moment pour échanger, pour poser vos questions. Et donc, je vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses pour qu'on puisse les avoir par écrit. Et on peut aussi peut-être relever s'il y a des choses à partager de la conversation. Ça, je vais voir avec ma collègue Caroline. Et donc, voilà. Donc, ici, dans le chat, il y a Paola Hidalgo qui demande si on pourrait avoir le lien de la vidéo. Voilà, je suppose qu'on pourra le communiquer facilement. Donc là, on est dans du logistique, mais… Moi, je peux me charger de ça, oui. Oui, donc c'est vrai que j'avais posé dans le chat aussi une question de savoir si dans leur pratique, ils rencontraient des personnes qui avaient changé ou qui désiraient changer d'apparence physique pour être davantage femme ou homme, et si les participants pensaient que la prise en charge devait en tenir compte, pourquoi et comment. Et donc, on a une réponse qui dit qu'effectivement, Marion rencontrait une patiente qui se sent de sexe féminin. Mais donc, il y a des problèmes tout à fait au niveau du dossier informatique. Rien que là, dans la prise en charge, ça pose déjà question. Et donc, des questions aussi sur finalement comment aborder ces questions-là sans être intrusif, comment l'inclure finalement dans l'anamnèse sans faire de bourde. Aussi. Comme de, anamnèse, comment ça veut dire? Parce que je n'ai pas parlé. Je vous parlais beaucoup de comment c'est. Je veux dire, j'ai essayé de présenter, parce que c'est une historien, l'histoire, comment on a à certains moments très spécifiques. Ce n'était pas du tout. Parce que la générale, le féministe pense que la notion de genre, c'est un héritage du mouvement des femmes. Ça veut dire que, comme je citais le livre d'Anne Oakley, de 1971, qui a dit qu'il faut distinguer entre le sexe biologique, ce qu'on a dans le 19e siècle, est-ce qu'on a les organes féminins extérieurs, masculins ou féminins, après, est-ce qu'on a des ovaires ou des testicules, ça c'est de fin 19e siècle, est-ce qu'on a des testostérone ou estrogènes, ça veut dire est-ce qu'on a des biologies. Le féministe disait, oui, d'accord, la biologie, mais ça ne veut rien dire. C'est comme les petits garçons et filles dans cette classe de CM2, CM1, qui disent, ah ben oui, mais on est une fille, mais on peut jouer au foot. Alors là, c'était une chose sensationnelle, parce qu'à l'époque, dans le département de John Money, qui était un psychologue spécialisé en psychologie d'enfants à l'époque, quand ça il a commencé, il disait que les jeunes petite fille, bien, ne joue pas au foot, ou ce moment, ne veulent pas jouer au foot. Donc, effectivement, la réussite des traitements hormonaux, ils ont traité. Le cas de Turner et Klinefelter était un cas rare. Ce qu'ils ont traité particulièrement, parce que c'est beaucoup plus fréquent, c'est l'hyperplasie des adrénales. Dans l'hyperplasie des adrénales, c'est les filles biologiques, si on peut le dire, parce qu'ils ont les ovaires, utérus, les ovaires, les chromosomes XX, mais qui sont exposés à beaucoup de testostérone dans l'utérus et qui ont donc une apparence extérieure, y compris les apparences des organes génitaux extérieurs masculines et aussi le corps qui devient un peu masculin. Et ça, c'était la majorité des enfants étaient traités. Donc, ils ont dit ça, ce sont les petites filles, elles ne peuvent pas vivre comme ça, c'est entre elles. À l'époque, Wilkins avait une idée. Avant qu'il y avait des hormones, il disait, on a un enfant, c'est une petite fille. Nous le savons, nous avons vérifié, étudié tout ce qu'il y a, et nous avons fait une laparoscopie, une opération. Elle a un utérus, nous avons vérifié ça. C'est une petite fille, coup sûr. Mais elle a un corps d'homme. On ne va pas la faire une petite fille, elle sera malheureuse. Ce qu'on va faire, on va l'élever en garçon, si elle a vraiment les organes extérieurs d'un garçon.
Là, c'est un cas différent que le cas que j'ai montré de David Raymer, parce que là, c'est un garçon qui était moutillé, mais là, c'est un enfant qui était né comme ça. Donc, on les éduque comme un garçon pour les rendre moins malheureuses. Avec les hormones, arriver le sexe dans un flacon, super, on peut maintenant les transformer en petites filles. Donc, on va faire la chirurgie plastique. On va enlever, diminuer la taille des clitoris qui ressemble énormément à un pénis. On va leur donner des hormones sexuelles féminines. Et va être, donc, ça va être une petite fille normale, mais, et c'est pour ça qu'il a mobilisé mon œil, on va voir qu'est-ce qu'elle va vouloir faire. Est-ce qu'elle va se sentir une petite fille? Et le résultat était, comme je vous ai dit, zozo. La plupart de cette petite fille disait, je suis une petite fille, mais elle n'était pas très féminine. Et après, il y avait certaines qui avaient l'orientation sexuelle gay. Elle est devenue lesbienne. Ils ont considéré ça comme un échec. Parce que si elle avait, il ne voulait pas jouer à la poupée, il voulait jouer au football avec les garçons dans la classe. Il voulait aller à l'université au lieu d'être une maman. Il était comme à la puberté, comme ça, il s'intéressait à d'autres filles et pas aux garçons. On disait, mais c'est pas bien parce que le sexe, peut-être on a bricolé le sexe bien, on n'a pas bricolé le genre. Donc, effectivement, là, il y avait un problème. Maintenant, le problème que vous posez, qui est un problème différent, que maintenant, on accepte ça, y compris les filles qui jouent au foot, mais même la différence. Mais maintenant, c'est le problème d'état civil. Ça veut dire le problème des institutions, le problème de reconnaissance. En quel moment on reconnaît quoi? Et avec, pas seulement dans le Brésil de Jair Bolsonaro, mais même en France ou en Belgique, la plupart des fonctionnement sociétal ont quand même un aspect genré. Et le problème est alors, comment on négocie ça? Ça c'est tout. C'est-à-dire, comment on négocie cette différence sexe biologique, sexe genre avec laquelle on s'identifie, et peut-être sexe biologique indéterminé, genre indéterminé. Et comment on le négocie au niveau du fonctionnement des institutions sociales? Alors, je ne sais pas. Par exemple, dans ma classe, ça m'arrive assez fréquemment d'avoir une étudiante, quelqu'un de, que je ne suis pas sûre quel est le sexe ou le genre. Donc, je demande, qu'est-ce que vous voulez, comment je vous voulais que j'adresse à vous? En masculin ou en féminin? Bon, et après, je le fais. Mais les gens ne font pas ça en routine. Donc. Alors, nous avons une question. Y a-t-il une ou des associations en Belgique auxquelles peuvent s'adresser les parents d'enfants nés avec un sexe indéterminé? Alors là, je pense que Madame Louis a peut-être la réponse pour la France, mais pas pour la Belgique. Même la France, je n'ai pas la réponse, mais je sais à qui il faut s'adresser. Non. Il y a des associations en France. D'ailleurs, c'est mieux en Suisse. S'il y a des Suisses ici, c'est nettement mieux en Suisse romande. En France, c'est Zozo, mais il y a d'autres associations. J'ai un de mes étudiants qui travaille avec eux. Donc je peux. Et pour essayer d'être plus complet, je ne sais pas si parmi les participants, il y a peut-être des gens qui ont des ressources là-dessus et qui peuvent les partager dans la discussion. Voilà, et nous, de notre côté, on peut aussi mettre des choses à jour sur notre site Internet. Voilà, je vois que dans la discussion, on évoque genre pluriel. Donc il y a une association qui est pleine de ressources, hein, notamment sur la terminologie et le vocabulaire à employer, et qui propose encore en ce moment, même avec le confinement, des ateliers autour de ces questions-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Je vois qu'on a une autre question. Alors, d'un côté, l'extrême droite et les réflexes conservateurs ont la cote. D'un autre côté, la société tend la main aux genres différents. Droit LGBT, possibilité de ne pas être genré sur la carte d'identité. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Je ne suis pour rien pour l'avenir. Personne n'a prévu Covid il y a 2 ans et demi. Non, je ne sais pas. Très franchement, non. C'est parfois, on a l'impression, une fois en avant, deux fois en arrière. Et la politique est extrêmement changeante dans des lieux différents. Et j'aurais dit pour la France, pour la Belgique, je connais moins, mais j'aurais dit pour la France, la Belgique, la Suisse, plutôt optimiste. Parce que ces choses-là, quand même,
même avec la. Mais je pense que c'est comme une des raisons pour laquelle je suis relativement optimiste. Une, disons, bonne et une mauvaise. Une mauvaise, c'est que les droits de sexe. Mais bonne, effectivement, que je pense que la société est devenue beaucoup plus tolérante sur certaines choses. Par exemple, l'opposition, l'idée que des femmes ou des hommes qui s'aiment, que c'est dégoûtant, que c'est vraiment. Ça est en train de. Pour la jeune génération, je pense que ça n'existe plus. On voit, parce qu'on voit ça dans la culture, on voit ça dans les films, on voit ça sur l'Internet, et on voit ça dans les médias, on voit ça dans la rue. Et donc, effectivement, et puis il y a quand même une certaine vedette ou célébrité ou tout ce qu'il y a, ont justement les transgenres, les trans et sexe indéterminé entre les deux. Ça m'a parfois même certain chic d'être pas tout à fait déterminé. Donc là, j'aurais dit, le mouvement est plutôt dans une tolérance plus grande. Et d'une certaine manière, j'aurais dit aussi qu'une des choses, mais ça c'est méchant, mais peut-être tort, qu'une des choses qui a aidé beaucoup à droit des homosexuels était que beaucoup des homosexuels, hommes sont de position plus puissante, qui étaient homosexuels de cachet. Et donc ça veut dire qu'il y a, c'est plus facile de pousser les changements si on a des positions de pouvoir. Donc effectivement, comme à mon avis, la domination masculine n'a pas disparu, mais les ces problèmes de trans, de sexualité, de transgenre, etc., il est d'une certaine manière unisexe, parce qu'il n'y a pas particulièrement plus d'homosexualité ou d'envie de changer de sexe. Ça circule des deux côtés, donc on a plus de chances d'égalité. Mais à mon avis, c'est plus facile, je peux me tromper, dans nos pays, de faire accepter fluidité de genre hein, que de faire accepter qu'il y aura une vraie égalité de salaire entre hommes et femmes. Et la raison est très simple, c'est parce que la vraie égalité de salaire, ça dépend des rôles maternels. Et le temps qu'il y a la fonction de care, plutôt maternelle et care, plutôt que le care, c'est la féminiser, je pense qu'on aura vraiment du mal fou à avoir une vraie égalité de position. Et comme vous voyez aussi dans les cours de récré, ça c'est peut-être rigolo, mais il y a toujours les garçons qui occupent plus de place et qui font plus de choses. Donc après, ils arrivent au droit de direction, ils ont plus de poignées pour diriger. Ils ont plus de capacité naturelle d'être prometteurs. Il y a beaucoup de femmes dans les places de direction, c'est vrai. Mais on dit toujours, ah, mais c'est super nouveau. C'est super nouveau si on regarde la période depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si on regarde un tout petit peu en arrière, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait pas mal de femmes qui avaient des pouvoirs à cause de l'héritage, à cause de sociétés stratifiées, les rôles de certaines couches sociales. Donc, effectivement, l'idée que les femmes, c'est pas toutes les femmes évidemment, mais l'idée qu'il y avait, je pense que les 20% de femmes, les 10% de femmes exceptionnelles dans les positions de pouvoir, je pense que c'était d'une certaine manière vrai au 18e siècle aussi, au moins de certaines positions de pouvoir. Donc c'était autre position de pouvoir, mais c'était des positions de pouvoir. Donc c'était la veuve qui avait le gros héritage et qui gérait le domaine, c'était la commerçante qui, etc., etc. C'était une position de pouvoir qui s'était acquise différemment par l'université, mais bon, c'était pareil. Donc, réponse courte. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans les sociétés qui sont dominées par la religion? C'est beaucoup plus, certains types de religions, c'est beaucoup plus compliqué. Certaines sociétés, on voit aujourd'hui, je sais pas, au Brésil, il y avait un mouvement féministe formidable, il y a toujours d'ailleurs. Ça qui n'a pas aidé qu'en ce moment, on a un gouvernement ultra-réactionnaire qui fait régresser les droits de tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein. Moi j'en ai une en fait. Je me demandais si dans votre connaissance de peut-être
peut-être de l'histoire plus récente des avancées au niveau peut-être des hormones ou autre chose, s'il y a des évolutions qui vont arriver par rapport à je suis un peu embrouillée, pardon. Je me disais, dans votre historique, il y a la manière dont on a accueilli des familles confrontées à des situations intersexes, etc. Et je me demandais si vous aviez des choses plus récentes, si vous pouviez partager des choses plus récentes sur la manière dont ça se passe aujourd'hui et sur peut-être des choses qui pourraient encore faire évoluer cet accueil-là. Alors là, c'est de nouveau, c'est extrêmement situé. Alors, il y a des travaux là-dessus. Je peux vous donner, il y a par exemple ma collègue Cynthia Kraus qui travaille avec les associations en anglais, en Suisse romane, qui fait des travaux très intéressants là-dessus. J'avais une étudiante qui a travaillé beaucoup avec les associations, justement, pour voir ce qui se passe. Alors, le problème est que si on discute avec les spécialistes, ils disent « Ah, ce qui s'est passé dans les années 60, les associations qu'à l'époque elles s'appelaient fièrement d'ailleurs associations d'intersexes, disaient que les chirurgies sont horribles parce que nous, on est tous victimes de cette mutilation génitale à l'occidental. » Mais ça, c'était autrefois. Maintenant, on sait faire beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir, et particulièrement, justement, les chirurgiens se font la main sur les cas d'individus qui veulent changer de sexe biologique, qui sont des transsexes, qui veulent passer d'un sexe à l'autre. Et à l'époque aussi, les opérations étaient compliquées, très douloureuses, et finalement, le résultat était zozon. Et maintenant, on a beaucoup amélioré, c'est mieux. Maintenant, on est arrivé à des perfections beaucoup plus grandes. Alors, les associations disent non, ce n'est pas vrai. Ils disent ça parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître l'ambivalence des sexes. Donc, ils disent nous, on arrivera à corriger vraiment bien, et ça n'a rien à voir avec l'avant. Alors, c'est compliqué parce qu'après, on dit qu'est-ce que les parents. Les parents, beaucoup de ces spécialistes avec lesquels je discutais me disaient: vous savez, nous, on est tout à fait d'accord d'accepter l'ambivalence. Mais vous connaissez beaucoup de parents qui veulent un enfant qu'ils ne savent pas quel sexe il est, si c'est un garçon ou une fille. Vous ne vous rendez pas compte, c'est très difficile pour les parents. Eux, ils veulent savoir, est-ce qu'ils ont un petit garçon, une petite fille, est-ce qu'ils veulent avoir un enfant qui peut aller à la piscine, qui ne le fera pas honte à la classe, qu'ils ne vont pas se moquer de lui. Donc, nous, on veut qu'on corrige. Et l'autre spécialiste dit « Non, ce n'est pas vrai. Nous, on a vu des parents qui les tolèrent très bien. Et si on explique aux enfants, est-ce qu'ils expliquent à l'entourage ?» Très honnêtement, probablement, il y a les deux. Ça veut dire, si les parents tolèrent mal, l'entourage tolère mal aussi. Si les parents tolèrent bien, l'entourage souvent tolère bien, mais pas forcément toujours. Donc, les techniques sont vraiment améliorées. Mais certains gens des assos disent que c'est toujours loin d'être parfait. D'autre part, les médecins disent que ce n'est pas vrai. Nous, vous voyez les assos, mais regardez, dans les assos, il y a toujours 5 activistes, donc elle gueule très fort. Et personne ne voit les 100 enfants que nous, on a opérés et qui sont très bien, mais qui sont dans aucune sens, parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est d'oublier qu'ils sont nés avec les différences de développement sexuel, et maintenant être un homme ou une femme normale, ou un homme ou une femme normale, avec une petite différence, mais tout le monde est un peu différent entre nous. Alors, je peux vous raconter une histoire, j'aime les histoires. J'ai travaillé sur un cas de hermaphrodite vrai, comme historien dans les documents, qui était traité par un grand savant de l'Institut Pasteur, donc j'avais les documents à l'Institut Pasteur, vous pouvez faire ça, qui s'appelle Antoine Cassan. C'était un enfant classé garçon à la naissance. Mais comme il arrivait à la puberté, il avait commencé à sécréter du sang par le pénis,
ont découvert qu'ils étaient en train de menstruer. On a opéré, on a récupéré un personnel, on trouvait qu'il a l'utérus ovaire, utérus fragmentaire, des ovaires et aussi les testicules, les deux. Donc c'est une hermaphrodite de vrai. Hermaphrodite vrai, c'est très très rare. La plupart de ce qu'on appelle les différents de développement sexuel sont de pseudo-hermaphrodites. Ça veut dire que l'homme ou la femme avait quelques attributs. Bon, ils ont décidé de ne lui rien dire, parce que là, c'était 1918, je pense, et parce qu'à l'époque, la doxa était qu'on ne dit pas la vérité aux malades. D'ailleurs, c'était la doxa jusqu'aux années 80. On ne dit pas les enfants opérés, on dit le moins possible parce que ça va les perturber. Mais à l'époque, c'était une adulte, on lui a dit rien, on a dit oui, vous avez un problème, on va opérer, on va régler ça. On lui a enlevé les ovaires et l'utérus, on lui a laissé le pénis, les testicules, il n'était toujours pas fertile. Et tout le monde était super très heureux. Alors lui, il se considérait un garçon. Elle a dit, je ne suis pas très sportif, mais je fais quand même le vélo très bien. Et je joue à Pennatac. Et je vais avec mes copains au café. Et je suis attirée par les femmes. Et je fume. Donc tout ça, ça faisait un vrai homme. Elle dit, bon, quand je ne suis pas très fort, je pensais être artisan comme les autres gens de ma famille, mais je n'étais pas très fort, donc je fais les certificats d'études et je travaille comme employée à la mairie. Mais c'est quand même bien pour un homme d'être une employée à la mairie. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème ni d'acceptation, c'est un homme un peu efféminé, mais bon, ni de lui, ni de l'entourage. Il y a une question dans le chat de Enrico qui dit « Vous avez dit ne pas avoir de réponse concernant l'avenir, expliquant qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. » Mais est-ce que, en tant qu'historienne, vous savez expliquer le pourquoi de ces pas en arrière, comme au Brésil ou en Pologne et en Hongrie? Ça, c'est pas en tant qu'historienne, c'est en tant que politologue que je ne suis pas. Non, je ne sais pas du tout. Non. Et je peux expliquer localement à chaque homme. Qu'est-ce qui s'est passé en Inde? Je peux en dire expliquer. Je sais quelque chose sur la Pologne et sur le Brésil, moins sur l'Hongrie, mais parce que ce sont des pays que je connais. En Pologne, c'est compliqué parce qu'en Pologne, en fait, la religion, c'était un pays super religieux à cause de l'opposition au communisme. Donc, il y avait l'Église était très, très forte à cause de l'opposition des communistes. C'était beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il n'était pas tellement opposé. Il avait un concordat, mais il était perçu comme le contrepoids. Donc, en Pologne, en fait, dans la pratique, il y a une érosion des pouvoirs de Pologne. Et là, je pense que cette histoire de régression sur les questions de genre est plutôt liée parce que la partie au pouvoir qui s'appelle PiS, Progrès et Justice, la partie au pouvoir a fait le pari conservateur, bon, disons comme le Front National chez nous, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas que chez vous, c'est le Front Flamand, non, je ne sais pas qui. Ça veut dire le parti d'extrême, le droit traditionnels font le pari d'avancer un certain nombre de thèmes. Par exemple, détester les immigrants. Il n'y avait pas tellement des immigrants en Pologne. C'était dur, mais ils ont réussi quand même. Ils ont réussi à faire une grande bataille pour ne pas accepter les réfugiés. Ils ont été demandés par l'Union européenne de demander 20 000 réfugiés sur un pays de 60 000 personnes. Il y avait une opposition énorme. On ne veut pas de musulmans chez nous. Bon, et ils ont réussi à monter les batailles comme ça. Et puis après, les réfugiés, ce n'était plus parce qu'il n'y avait plus de réfugiés. Les juifs, ce n'était plus parce qu'il n'y a plus de juifs. Donc, ils ont dû trouver quelque chose. Ils ont trouvé là, que les gays sont en train de démoraliser la jeunesse. Donc, bon, ils ont fait une grande campagne là-dedans. Et c'était la campagne qui opposait les villes aux régions rurales. Le soutien des PiS, c'est dans les régions rurales. Dans les villes, il y a des homosexuels, mais on n'aime pas ces gens-là à la campagne. On n'aime pas, c'est moins normal. Donc, ils ont réussi à faire la mobilisation autour de ça, autour de leur électorat, que c'était comme Bolsonaro, les homosexuels vont transformer les garçons en filles. Bon.
Au Brésil, c'est de nouveau, c'est la même chose. Bolsonaro s'appuyait sur les évangélistes. Donc, de nouveau, l'opposition, là, ce n'était pas tellement ville campagne, parce que ça jouait moins, mais l'opposition entre, disons, la gauche progressiste, le Brésil a d'ailleurs des lois très progressistes. C'est une des premières à faire le mariage gay, le droit de l'égalité, etc. Mais ils ont réussi à mobiliser les évangélistes. Il y a une influence très grande au Brésil qui a monté. Donc, au fin du XXe siècle, il y avait une montée au Brésil de théologie de la libération, qui est un courant catholique de gauche. Et après, il y avait une remontée comme réaction des mouvements évangélistes charismatiques, qui ils sont très anti-gays. Et Bolsonaro a réussi à utiliser ça pour monter, ça marche. Est-ce que ça va être ailleurs? Aucune idée. Pardon. Je vois qu'il nous reste encore une dizaine de minutes. On a encore une question. Et si je vais vous la lire. Et après, c'est bien si dans la réponse, vous nous laissez encore un petit peu de temps pour qu'on puisse clôturer avant 14 heures. Alors, je vous lis la question. Qu'en est-il des chirurgiens objecteurs de conscience concernant les opérations de réassignation destinées à la transition? Est-ce qu'il y a des médecins qui refusent ce type de soins-intervention? Alors, la question porte pour la Belgique. Je ne sais pas si… J'imagine que vous avez peut-être la réponse pour la France et peut-être que des participants ont la réponse pour la Belgique. Mais du coup, voilà. Pour la France, la seule chose que je peux dire pour le problème de réassignation… c'est qu'il y a un nombre relativement restreint des équipes qui le font. Donc, le problème d'objection de conscience ne se pose pas, parce que les gens qui vont dans cette équipe sont des gens qui sont super motivés. D'ailleurs, ce qui est plus compliqué, c'est le traitement. Ça veut dire que si on a une équipe de réassignation de sexe, et d'ailleurs, ils sont super, très, très fiers de leur prouesse chirurgicale. Et en France, il y a aussi les transitions, par exemple, entre les choses comme la réparation d'incisions des femmes africaines qui les désirent, etc. Donc, il n'y a pas de problème de ce point-là, parce que s'il y a quelqu'un qui veut la réassignation de sexe, qui arrive à trouver des certificats médicaux, etc., là, il y a des démarches que je ne me souviens pas, il faut testifier la volonté, il faut avoir un psy qui testifie, etc., mais si la sécu, parce qu'autrement, personne, très peu de gens ne vont pas le payer dans la poche, mais si la Sécu accepte, la Sécurité sociale française accepte. On envoie la personne à une des équipes spécialisées qui est un nombre limité en France et qui seront les… Il n'y a pas d'objection de conscience. Là où ça se complique, c'est que s'il y a un enfant avec les différences de développement sexuel qui est dans une maternité, je ne sais pas, à Poitiers, à Perpignan, je ne sais pas où, et dans cette maternité, il n'y a pas du tout l'équipe qui s'en occupe. Et le psy local dira, mais c'est un désastre, je parlais avec les parents, ils sont catastrophés, il faut opérer tout de suite. Il faut faire quelque chose très rapidement. Et là, on se trouve dans des situations qui sont complexes. Parce qu'il y a des équipes spécialisées, mais il y a de nouveau très peu en France. D'ailleurs, on a fait une journée de travail avec ces équipes spécialisées. Il y a des divergences entre les équipes. Parce que c'est parfois dépend si l'équipe était fondée par un chirurgien, par un psychologue ou par un psychopédiatre ou par une… Qu'est-ce qu'ils pensent qui est vraiment le plus important? Est-ce que ce sont des gens, disons, de vieille génération ou de nouvelle génération? Est-ce qu'ils faisaient des stages à Lausanne où c'est très avancé ou à Lyon où c'est moins avancé, etc., etc. Et si encore l'enfant tombe dans un endroit où il n'y a pas du tout une équipe spécialisée, parfois on fera des opérations comme ça parce que les médecins disent que les parents ont des problèmes et voilà, et nous on pense que c'est bien aussi. Merci. Et donc, on arrive doucement à la fin de ce temps de présentation. On rappelle, hein, dans une perspective historique, et on est bien consciente qu'il y a encore beaucoup de choses à partager dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas hésiter à aller voir les associations qui ont des choses à partager sur ces questions. Alors, vous invitez donc à la
prochaine conférence qui sera en partie proposée par Caroline. Peut-être tu peux nous rappeler les thèmes qui seront abordés. J'ai ajouté mon email dans le chat. Si par hasard il y a des gens qui veulent soit des questions, soit des bibliographies, je peux toujours vous informer. Voilà. Merci beaucoup. Oui, et donc c'est envoyé à tous les participants, donc c'est très bien, tout le monde l'a reçu normalement. Oui, donc ça sera une conférence sur l'accès à la contraception, avec une partie sur un peu socio-historique sur l'accès à la contraception et de comment le cadre légal et l'enseignement de la médecine déterminent, vont influencer l'accès à la contraception pour les bénéficiaires, et d'une autre part, comment est-ce qu'on peut aider au développement et intégrer dans nos pratiques plus de contraception masculine pour une fois encore favoriser l'accès à toutes les sortes de contraception pour toutes et tous. Voilà. Voilà, et on va vous inviter à participer à un tout petit sondage avant de nous quitter que voilà mon collègue Nicolas va lancer. Et donc, l'idée, c'est d'un peu voir dans quel état d'esprit vous partez. Voilà, et vous inviter à continuer à nous suivre. Et donc, vous avez plusieurs options, vous pouvez choisir. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ouais. Alors, mon collègue Nicolas me fait signe que vous êtes en train de compléter. Moi, je ne vois rien. Donc, je ne peux pas vous faire beaucoup de commentaires. Si, je vois en partie que vous pensez vous inscrire à la prochaine et que vous allez aussi réfléchir à comment faire percoler tout ça dans vos pratiques. Voilà, et donc je vous remercie. On va vous laisser retourner vers vos activités. Et donc moi, je remercie particulièrement Madame Loï de. Voilà, je crois qu'il nous partage maintenant le visuel. Et donc, voilà, vous allez pour certains retourner sereinement. C'est chouette de travailler cet après-midi. Et donc, voir comment l'intégrer dans vos pratiques et notamment voilà, en partageant aussi avec les collègues, parce que c'est aussi une des difficultés, hein, c'est d'avoir des niveaux de connaissances différents autour de ces questions-là. Et pour tous ceux qui vont prendre un café, bon café. Et donc, je remercie particulièrement Madame Loï d'avoir accepté de prendre ce temps et de faire ce petit ce parcours historique avec nous. Je remercie mes collègues pour toute la technique donc, qui est derrière pour les aspects de communication. Pour voilà. Bon après-midi. Merci. Merci à vous. Et c'est un plaisir. Et bientôt peut-être. Au revoir, Ilana. Et au revoir, tout le monde. Au revoir. Thank you.